So many pieces all back together now. What's your vision? Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra connectée, une caméra de surveillance en partenariat avec le site Banggood.com. J'ai donc reçu cette caméra directement de Chine et je vais vous la présenter. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Banggood.com car à partir du 7 au 9 septembre, c'est l'anniversaire du site. Si vous aimez les produits high-tech, il y aura vraiment énormément de super bons prix. D'ailleurs, ici, pour cette caméra, on est vraiment sur un prix très correct, moins de 25 euros. Alors, vous imaginez une caméra IP, donc de surveillance, avec, vous allez voir, toutes ses capacités à moins de 25 euros. Donc, je vous mettrai les liens dans la description du site Banggood.com et je vous mettrai le lien aussi de la page où vous allez pouvoir trouver cette caméra. Je l'ai testée, on va faire l'unboxing ensemble. Vous allez voir que cette caméra, elle a vraiment beaucoup de choses à vous apporter. On va commencer par l'unboxing. Donc on a la boîte classique, une boîte où vous avez la marque de la caméra qui est de la marque donc Gudgo, donc G2UDGO. Une caméra de surveillance avec énormément de capacités. La référence donc de cette caméra est la GDSC02. Je vous mettrai tout ceci dans la description de la vidéo. On va commencer l'unboxing. Sur la boîte, donc, vous avez les différents renseignements sur la façade avant. Sur le côté gauche, vous avez un code QR qui va vous permettre de mettre en place votre caméra très rapidement grâce à ce code QR. Et sur le côté droit, un petit explicatif avec le code barre. Nous, donc, la boîte de cette caméra. On tombe instantanément la notice et la notice est en anglais. La vidéo est là pour vous aider au niveau de l'installation de votre caméra. On tombe directement sur la caméra. Alors c'est une très très belle caméra. Je vais vous la sortir du boîtier. Comme vous pouvez voir ici, on est vraiment sur un très beau produit, justement pour le prix. Et au niveau de la qualité, l'intégralité de la caméra donc est en plastique et c'est une caméra qui tourne à 360. Vous allez pouvoir regarder tout autour, en haut, en bas et tout autour dans votre pièce, au niveau de la surveillance de votre pièce. On va continuer l'unboxing et se pencher un peu plus après sur la caméra. Alors, on va continuer le déballage de la boîte. À l'intérieur, on va trouver la prise murale pour connecter notre caméra, un câble USB d'un côté 2.0 et micro USB de l'autre côté. Un petit kit avec une petite cheville, une vis pour visser notre caméra sur un mur en hauteur et un petit cache justement lorsqu'on aura positionné notre caméra sur le mur. On va donc passer à la configuration de la caméra. Cette caméra de surveillance a une particularité. Sur le côté ici, vous allez avoir la possibilité de lui mettre une carte micro SD pour l'enregistrement des vidéos ou des prises de photos que vous allez faire. À l'arrière de la caméra, on a donc la connectique pour le micro USB. Juste à côté, on a un petit bouton qui est le bouton reset. Sur le côté droit de la caméra, ici, on peut voir un petit haut-parleur, puisque vous allez pouvoir communiquer avec l'étranger qui va éventuellement s'introduire chez vous, et vous allez pouvoir parler grâce à votre smartphone, puisque cette caméra est compatible Android et iOS et Windows. Vous allez donc avoir les trois plateformes compatibles à cette caméra. Vous allez pouvoir dire à l'intrus que vous êtes en train de le voir. La caméra est équipée de micros. On peut voir qu'elle est mise sur un petit pied et qu'elle va tourner à 360 degrés. Pour la configurer, il faut télécharger sur la plateforme en question iOS Android l'application Gudgo
qui va nous permettre tout de suite de paramétrer notre caméra. Alors ici, on est sur la première page lors de la première configuration. Je vous montre exactement comment est faite cette page. Si on passe à la deuxième page, la deuxième page est faite si vous avez déjà un compte. Si vous avez oublié votre mot de passe. Voilà donc lors du premier allumage de la caméra. Donc elle demande à ce qu'on la connecte, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, une fois que nous avons connecté au câble notre caméra, on va se diriger sur l'application GoodGo. On l'ouvre. Connexion 3 points. Chargement en cours. Veuillez patienter 3 points. Affichage des éléments à 3 sur 3. Ici, on est sur un Galaxy S8, mais comme je vous ai dit, c'est accessible avec un iPhone. On va lui demander... Ajouter une caméra. Ajouter une caméra. Cette caméra est en Wi-Fi. Elle a une définition d'image de 720p en définition 1 million de pixels. Wi-Fi Smart Connection. On a trois onglets qui détectent notre caméra et qui la configurent au fur et à mesure. J'ai changé de smartphone pour vous montrer la compatibilité aussi avec l'iPhone. Et on va voir que... J'ai eu des jets ou souhaite accéder à l'appareil photo. Donc là, la caméra demande à accéder à l'appareil photo, ce qu'on va lui dire. Tiens, refusé. Ok, bouton. Ici, on a un message de succès qui est en anglais, malheureusement. Alignez le code QR de la trame de votre périphérique. Scan QR code. Et sur la boîte, il y a un code barre. On va l'aligner. C'est fait. Voilà donc, la configuration est terminée. Comme vous l'entendez, la caméra est équipée d'une alarme pour prévenir que quelqu'un est passé devant. Donc, cette caméra va pouvoir... J'ai eu des géos, il y a une minute. Motion détectée by camera camerat. 15, 12. Vous envoyer des notifications où que vous soyez dans le monde. Du moment où vous avez placé votre caméra dans un endroit stratégique, comme je l'ai fait dans ma maison, vous allez pouvoir recevoir des notifications comme quoi la caméra a détecté un bruit ou un mouvement dans votre maison ou dans votre bureau. Elle va aussi se déclencher avec une sonnerie, comme vous avez entendu tout à l'heure, pour prévenir aux voleurs qu'il y a un système de détection de cambriolage. Elle est très simple à configurer, elle est très simple ensuite à utiliser. Vous avez aussi donc une possibilité de sauvegarder les enregistrements dans le cloud ou sur la carte SD. Vous allez pouvoir, grâce à l'application, circuler dans votre pièce via un joystick. Vous allez voir que la caméra va tourner. Ici, on peut la faire monter. Voilà, donc vous voyez, la caméra est complètement gérable à distance. Vous pouvez vous trouver où que ce soit dans le monde et vérifier dans la pièce en temps réel s'il se passe quelque chose. Et vous pouvez être prévenu par notification lorsque un bruit ou un mouvement est détecté par la caméra. Alors pour son prix, je trouve à moins de 25€ que cette caméra très bien faite. Donc elle tourne à 360 degrés, vous allez pouvoir vérifier dans votre pièce, dans le moindre recoin de votre pièce. Vous allez recevoir des notifications, regardez en temps réel dans la pièce. C'est vraiment une très très bonne caméra. En bas de la vidéo, le lien de la page de la caméra. N'hésitez surtout pas à aller visiter, j'ai fait plusieurs vidéos
sur différents produits Banggood. N'hésitez pas à les voir sur banggood.com parce qu'ils ont vraiment des produits très sympas et qui fonctionnent parfaitement bien avec nos smartphones et nos tablettes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à liker, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lors de prochaines sorties de vidéos. Et moi donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt. Salut !